Jordan, tu m'as fait quoi? Tu me les as empaillés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, attendez, on recommence. Bonsoir, maman, est-ce que ça va? C'est mieux. Bon, en tout cas, moi, je suis super contente d'être là. D'ailleurs, je suis tellement contente d'être là que dès que j'ai su que tu venais ici ce soir, bah, j'ai tout de suite prévenu ma mère. Maman, le 26 avril, je vais faire le concours Jeune Talent à Bavin. C'est cool, non? Ouais. Où ça? Je vais t'oublier dans ma musée. Non mais chérie, tu ne comprends pas. Je veux dire le nom de la ville. Bah oui, Bavin, tu as oublié. Enfin, Bavin, c'est le nom de la ville. Enfin, la ville. Le roi du village, quoi. Enfin, du bon cap, hein. Non, elle connaît pas. Elle connaît toutes les capitales du monde par cœur, mais Bavin, elle connaît pas. Et moi, je suis super fière, hein. Je suis super contente d'être là. J'ai une question à vous poser. Alors, j'espère que vous allez pas mal le prendre. Vous avez la télévision à Bavin? Chance. Alors je sais, hein, la télévision, on en a beaucoup parlé. Moi je suis là pour parler des émissions qu'on peut voir maintenant. Du style Danse avec les stars. Danse avec les stars. Il y en a qui regardent dans ça, Danse avec les stars. Oh mon Dieu, ici aussi, mais c'est une secte. Mais Danse avec les stars, il y a un problème niveau titre, déjà. Bah, Danse avec les stars. Et ils mettent Kim V dans la troupe. Ça ne choque personne. Non. Mais il n'y a que moi qui pense que ce mec est une inutilité publique. Oh, il y a des fans. Bien. C'est la première fois, hein, que je vois des fans. Ah non, mais je ne vous juge pas. Hein. Ma question qui me vient là, tout de suite comme ça, c'est pourquoi? Non, parce que je cite. Hein. J'aimerais... Mademoiselle Valérie. Ah oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime. Mais elle ne veut pas. Bah, quelle puissance, quelle force en test, hein? Non, mais il a pas le feeling quand il chante, ce mec-là. Alors, quand tu danses, faut faire ressortir des émotions, faut transporter les gens. Comment veux-tu que le mec fasse ça avec un charisme de pétoncle? Alors, tous ceux qui n'ont pas rigolé à cette blague n'ont pas essayé d'avoir une discussion constructive avec un pétoncle. Alors, je suis sûr que dans la salle, il y en a, ils savent même pas ce que c'est. Je ne vous en veux pas. Moi, j'ai regardé le premier direct de Danse avec les stars, la première émission. J'ai tout de suite remarqué que je ne supporterai plus jamais les excès sonores de Jean-Marc Généreux. Jean-Marc Généreux, ça va, ça vous vient? Le Québécois cocaïnomane? C'est bon, tout le monde là? Ah, bah, il porte bien son nom de famille, hein. Ah bah il est très généreux. Très. Trop. Mais moi vous m'avez plombé. J'ai trouvé ça incroyable. Vous étiez là sur la piste de danse, en train de glisser, de sur les rampes, sur un make, le milieu et tout. La technique, l'essence, l'émotion. Moi je fais un oui et ça, j'achète. Mais ta gueule. J'adore faire ce sketch. Bah mais c'est vrai, et après, non mais Jean-Marc Généreux, en fait, on préfère quand il danse. C'est comme Johnny, on préfère quand il chante. Non mais entre les Québécois qui gueulent parce qu'il est content, et le rocker le plus connu de France qui crie pendant ses concerts, waouh, vous êtes génial. Bah moi je dis bravo. Et après je me suis posé une autre question, je me suis dit, attends, Charlie, est-ce qu'il y a une émission pire que ça? Bienvenue chez nous. L'émission des chambres d'hôtes. Non mais qui a inventé ça? Je vous explique le principe. T'as le malheur de laisser un poil sur la moquette, t'es game over direct. D'ailleurs dans la salle, levez la main ceux qui regardent l'émission s'il vous plaît. Levez la main. Levez la main, ok, j'en vois. Ok, donc tous ceux qui ont levé la main sont au chômage. Sur 16h d'après-midi. On me la fait pas, moi, les gars. Mais moi, je déteste ce concept de notation, là. Attends. Noter sa maison. Noter son mariage. Ouais, c'est celle d'après, ouais. On reconnaît ce que...
remarqué que dans les 4 mariés, il y a toujours une connasse. Vous l'avez ? Ouais, la connasse. Et d'ailleurs, c'est toujours elle qui gagne, hein. Rien. Et bah, tu vois, moi, je serai la prod. Je lui ferai des feintes à la meuf. Bah, au moment de découvrir la destination. Alors, félicitations. Vous venez de remporter une magnifique lune de miel à Lille. Excusez-moi, oui, laquelle? Hein? En France? Ah! Ah, l'île de beauté, la Corse! Non? Lille? Tout attaché? Dans le? Dans l'eau? Ah! Et là, en général, elle se retourne vers les trois perdantes, les filles. Qui veut? Hein? Que j'aille? Me faire foutre? Bah, limite, je préférerais, oui! Non, mais sans rigoler! Et après, il y a eu une longue page de publicité. Alors, je me suis rendu compte que même les pubs étaient nazes. Enfin, pas tout. Ah, bah, non, il y en a une qui me fait kiffer. C'est la pub Schweppes. Avec you, Martin. Mais il y avait toi, t'avais. Tous les mecs qui sont en train de regarder sur la vie. Un peu de tenue, les gars. Je dis au Matterman, il y a l'alarme qui se déclenche. Alors moi, cette pub-là, je me suis dit, Charlie, si tu le fais pour une autre boisson, ça donnerait quoi? Et bah regarde. Absinthe Ricard! Just me and you. Sorry, Luna. Oh, but you mean Schweppes, right? Oh, bah non! Aïga! Hey! What did you? Et ça, c'est beaucoup moins de place, hein, les gars. Elle fait un petit son charme, hein. Et là, je me suis dit, je vais arrêter les émissions un peu cucu, un peu gnangnang, je vais m'attaquer aux émissions culinaires. Et bim! Masterchef! On en parle? On en parle? Non, on en parle pas, je vous le fais. Allez, Vanessa, allez, allez pour toi cette finale, allez! Oh merde! Putain, merde, mon persil! Sur son coulis de fruits rouges et poussière, du coup, parce qu'il y avait le... Hein? Le nom du plat? Swiffer. Et Masterchef, c'est comme le bel ami, hein? Ah bah, une fois que t'as commencé, tu peux plus t'arrêter. Moi, la meuf, elle réussit sa pimentaise, je suis chiante. Et moi, j'adore ça, la cuisine, je me suis dit, Charlie, si un jour tu fais cette émission, ça donnerait quoi? Eh ben, j'ai la réponse. Ok. Alors, ah, oui, j'ai fait 4 plats pour 4. Ah oui, bah en même temps, on a eu 3 heures, hein, on a pas le temps. Bon, alors, je vous propose des féculents. Voilà. Hein? Oui, des spaghettis, ça va, chef, je suis pété non plus. Hein? Oui, j'ai saupoudré un peu les mentales, et puis là, j'ai fait ma petite popole. Je vous ai rajouté une noisette de beurre. Allez, bon appétit!
Ouais, mais j'ai dit, je risque pas de gagner. En même temps, je sais que c'est que les pattes. Et oui, je suis humoriste. Merci de votre soutien. Eh bien voilà.